Allez, c'est parti, on attaque le boulot. Des gants, évidemment. On a l'alternateur neuf qui a été livré par Summit Racing très rapidement des États-Unis. Je pense qu'on recommandera chez eux. On a commandé par sécurité deux courroies, puisque de toute façon, on a plein d'autres LS3, donc ça permettra d'en avoir une en rab au cas où un truc comme ça se reproduit. Et on a acheté un outil spécial pour pouvoir tendre la poulie tendeuse de tout le système de courroies. Donc on a tout ce qu'il faut. Et une boîte à outils 2 Valt, ça se trouve chez Costco, ça coûte pas super cher et vous avez toutes les tailles européennes et américaines. Donc ça permet d'avoir en une seule caisse à outils un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le boulot. Voilà, allez, c'est parti. Allez, réparation chargeur première. Allez, on attaque, on démonte le capot. Ça commence bien de ce côté-là. Ah, t'es sûr que ça va pas partir. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'a pas ouvert ce joli capot. Donc, pour pouvoir l'attraper, voilà, on le prend comme ça. Hop, hop. Après, c'est de la fibre. C'est très léger. Donc, on le dégage. On va le poser bien à plat à l'intérieur. On va pouvoir admirer la qualité de construction de cette voiture. C'est un peu comme dans la chargeur Toretto, celle qui a le compresseur. Sauf qu'il y a encore un renfort en plus, puisqu'ils n'ont pas eu besoin de mettre le système de faux compresseur. Donc voilà la vieille courroie qui est toute défoncée. Et si tout se passe bien, on devrait avoir une courroie de la même longueur avec la nouvelle. On va vérifier ça tout de suite. Par acquis de conscience, n'est-ce pas? Et ouais, c'est bien ça. Ok, donc on a acheté la bonne courroie. Même épaisseur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc cette courroie avait pas l'air trop abîmée. Et pourtant, on peut constater une différence. Donc ça, c'est une courroie d'origine GM avec un numéro de pièce dessus. Ça, c'est une courroie déco. C'est pas exactement pareil, c'est plus feutré sur la déco. Après, ça doit pas changer grand chose. Bon, mais déjà avant d'en arriver là, il faut qu'on enlève l'ancien alternateur qui, comme vous pouvez le voir, est complètement bloqué, impossible de le tourner à la main, ce qui n'est pas normal du tout. Ah tiens, si, on a réussi à le débloquer, mais ça tourne pas rond du tout. Et ouais, on peut voir en plus que même la poulie, elle tourne pas rond. Donc première chose à faire, on débranche le connecteur. On viendra rebrancher le nouveau tout à l'heure. Pour l'instant, on va le bloquer là. Hop, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à desserrer les deux grosses vis là. Ça a l'air d'être du. Ça a l'air d'être du ça. 9/16 et c'est pas ça, c'est encore plus gros. 5/8 ce serait. Et c'est plus petit, donc c'est. Donc là, on n'aura pas la taille américaine, évidemment. Non, mais suis-je bête? Donc c'est entre 9/16 et 5/8. 9/16, 5/8. 9/16, 5/8. 9/16. Il va falloir aller chercher. Donc on a 1/2, 9/16 et 5/8. Donc ce qui veut dire que ça doit être du. Ça doit être du 16 ou du 17 mm. Ce serait du 15. Ouais, le 15, il rentre parfaitement. Bon, c'est quand même l'avantage d'avoir ce genre de caisse, c'est que on peut switcher en fonction des besoins du moment. Par contre, j'aurais bien voulu avoir le plus gros cliquet là. On va voir si ça passe avec ça. Allez,
on y va. Ça vient. Voilà. Ok, donc ce côté-là est venu sans résistance. Maintenant, il va falloir voir si l'autre côté vient aussi facilement. Ah, ça va venir. Devrait venir à la main, celui-là vient un peu plus facilement que l'autre. J'ai pas pris mes gants parce que c'est des gros gants. Allez, hop. Et un de moins. Ça c'est fait. Lui il est un peu plus récalcitrant. Regardez derrière, il y a cette prise là. Voilà, ça c'est du 13 ou un demi taille américaine. Par là ma beauté. Bon, l'avantage c'est que c'est quand même une voiture qui est quasiment neuve, donc c'est pas non plus trop le bazar pour démonter les trucs. On va tout mettre au même endroit. Tiens, toi tu vas là-dessus. Hop, merci, au revoir. Et logiquement, on n'a plus qu'à retirer l'ancien alternateur en espérant qu'il soit pas bloqué pour une raison X ou Y. Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Regardez comment c'est foutu sur le nouveau. Il faut virer ce chasse goupille là. Peut-être. On va taper dessus vite fait avec un marteau. Voir s'il se passe quelque chose. When in doubt. Use le marteau. Et on va utiliser quelque chose pour faire. Le but c'est pas non plus de le détruire, même si encore une fois c'est un vieux. Enfin, c'est un alternateur que a priori on va pas réutiliser. C'est pas une raison pour lui en mettre plein la gueule. Alors, vas-y. Ça bouge pas. Ah si, ça y est, ça bouge. Ça bouge, mes amis. Il faut juste éviter que ça se pète la gueule tout au fond. Ce sera pas mal. Par contre, si j'en chie comme ça, je vais en chier pour mettre l'autre. Costaud l'engin, hein.
Là, ça vient petit à petit. Par contre, en bas, à quoi ça ressemble, j'en sais rien. On va taper un peu là. Il est presque sorti complètement, mais alors, il est tellement serré. Voilà, c'est bon. Il est tellement serré, le bazar. J'espère qu'on peut trop galérer à mettre le nouveau. Hello. Il fallait juste écarter un peu ça. Et maintenant, on remet la petite vis, comme ça au moins il est supporté. Voilà, on en a une sur deux. Quand on va serrer, ça va remettre en place la petite bague là, automatiquement. Drôle, ça va pas être ça, ça va être de remettre la courroie, je le sens. Oula, vous la voyez là, la durite qui est presque en train de sortir. Là, c'est serré, la mort-moi le nœud. On dirait que c'est resté comme ça pendant un moment. Allez, j'ai hâte de le démarrer, le bazar. Ça là en bas, il y en a un petit peu plus. La vis, elle est pas loin du tout du passage de la courroie. Hein. Et voilà. Ah, si tout pouvait être aussi simple en mécanique. Voilà, bon là logiquement ça ne bougera plus. Tout est en place, les deux vis sortent d'à peu près la même distance, donc c'est bon. Voilà, je remets un dernier coup. Je remets ma prise qui est passée ou qui est passée ou qui est passée là. Il y a un seul fil dessus, pas compliqué. En même temps, sur cette voiture, il y a tellement peu de choses à alimenter qu'ils se sont pas trop fait chemir. On peut dire un autre mot. Et go. Allez. Forcément, si j'essaye avec le 15, ça va pas le faire. Allez, ça ira comme ça. Ça risque pas de bouger. Bon, vu les vibrations qu'encaisse la voiture, on va quand même s'assurer. Voilà. Ça, il y a du mou dans les câbles, tout va bien. On remet la pâte à capuchon sur la pâte à tête. Et maintenant, on va attaquer la belle blagounette qui est le remontage de la nouvelle courroie. Alors,
le marteau. Là, ouais. Plus rien à faire ici. Sortez de là, monsieur, vous n'avez plus rien à faire ici. C'est quand même vachement bien foutu tout ça. Ils ont mis des renforts partout. C'est beau. C'est très très beau. Tout en composite. Miam miam. C'est de bonne facture. Alors, où est-ce que ça passe tout ça? Alors, on va commencer par le plus simple. On va envoyer lui au fond. Je vais aller prendre référence sur l'autre chargeur, voir comment c'était foutu. Je pense avoir a good understanding now de comment c'est que ça se passe. À mon avis, je vais finir par faire sauter l'admission, ce sera plus simple. Ok, donc déjà, ça, ça passe là, ensuite ça passe là. Et il revient par ici. Et ça, ça passe d'abord là, au-dessus de ça, avant de redescendre en direction du vilebrequin. Attends, alors là je l'ai pas. Voilà, ok. Bon. Bon, on a fait le plus dur. Maintenant, il faut juste pas que tout se barre en live. Ce qui, à mon avis, finira bien par arriver. Je pense que c'est maintenant qu'il faut que j'aille ramper en dessous de la voiture. Eh mais attends, c'est vachement dangereux ça. Putain, ça passe. Oh. Eh mais je suis con, non, parce que justement, quand on sera... Oui, là, ça touche carrément. Logiquement, c'est ça que je dois faire descendre. Du coup, ça touchera plus. Putain, mais là, ça, ça a même pas pu revenir à son truc de départ, ça a tapé. Dans le truc de l'admission. J'espère que ça n'a pas tordu la poulie. Parce que clairement, cette courroie d'accessoires, elle était déjà montée sur le moteur. Quand ils ont monté le moteur, ils ont fait tout le reste après. Ça semble évident. Est-ce qu'on va réussir à passer l'outil là-dedans? En fait, non. Je pense que je vais devoir tout démonter. Et quitte à devoir tout démonter, autant s'y mettre tout de suite. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair. Allez, viens. En plus, ça faut pas que je le pète, c'est le capteur MAF. C'est ce qui donne l'info à tout le moteur de la quantité d'air qui est ingérée. Pourquoi ça vient pas, hein? Ça a pas l'air de bouger d'un iota, et pourtant j'ai défait la sécu. Sinon je le laisse brancher et juste le refous derrière. Oui, ça peut être aussi une solution. Là, je vois pas la différence entre charger, décharger. Ceux qui ont capté leur F, je vous le dis même pas. Évidemment, vous allez commenter. Ça sert à rien de vous le dire. Pour ceux qui l'ont pas regardé, c'est un très bon film. Bon. Eh ben, on va pas trop s'emmerder. Où est-ce qu'on va s'emmerder, au contraire ? J'ai l'impression qu'on va s'emmerder un peu. La course au trésor. La course au trésor.
C'est la course de tous les dangers. La course au trésor. Alors, hop. Bonjour. Je voudrais lui. Pour défaire, lui. Sans la mécanique, c'est pas compliqué, c'est que visser et dévisser des trucs. Ou alors... Alors je le défais carrément sur le moteur. Course de trésor. Je sais pas ce que c'est que cette chanson. Elle sort de nulle part. Allez. Bon. Donc attends, ce qui est sûr, c'est que lui va falloir le défaire, parce que lui, il tient ça à cette pièce usinée que je vais devoir démonter aussi, qu'ils ont mis exprès là pour tenir ça. Voilà, donc ça, toi, on t'aime, tu dégorges. C'est là que tu mets tes gros gants pour avoir de la force dans les mains. En vrai, il faudrait que j'ai des petits gants pour le reste. Mettre sur ma liste. Évidemment, c'est collé. Voilà. Et là, tu décolles tout. Et là, il va falloir démonter la pièce avant de pouvoir bouger tout ce merdier. Et la pièce, c'est du gros. J'ai l'impression que c'est encore la même taille, a priori. Qu'on avait sur l'alternateur. Non, c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros, c'est genre ça. Par contre, faut qu'on m'explique. En fait, les seules tailles que j'ai qui vont avec le plus gros des trucs. C'est tellement bien serré ce truc. Mais même pas. Mais attends, j'ai quoi qui va avec la grosse taille? Bonjour, je m'appelle Franck et je découvre ma caisse à outils. Donc on a dit du 13-16. Il est où le 13-16? Bah il est pas là. Donc on va essayer où le 3 quarts. Ouais, 3 quarts c'est pas mal. Ah, j'ai vu un peu gros là. C'est juste en dessous. Ça serait du 11-16e. Ou est-ce que c'est encore une taille européenne? Ce qui ne fait aucun sens vu qu'on est sur une Dodge et que c'est des bons gros ricains qui ont monté cette bagnole. Ah. 11-16. Les tailles américaines, elles sont magiques hein, quand même. Donc là, je suis en dévissage. Hop. Alors, j'ai pas beaucoup de marge pour faire appui. Mais, ah, bah, c'était pas très serré. Donc, comme ça, on n'est pas emmerdé. Hop. Je reprends juste la tête. Ah non, faut quand même y aller avec le cliquet. J'ai cru que j'avais desserré le truc suffisamment. On est bien. On est bien là, tranquille, à bricoler, personne qui nous embête. C'est un peu la définition du bonheur, non? Ouais, ça donne pas un doigté suffisant tout ça. Voilà, ça doigte. Tout ça pour enlever cette petite pièce là. Voilà, comme ça libère tout le monde. Voilà, t'as pas oublié de remettre tout ça à la fin. Mais qu'ils ont fait une pièce exprès, quoi. Ah, et là, on voit bien là où la poulie, elle a tapé. Hein. Ça a fait chkaboum. Alors, du coup, maintenant, je peux libérer ma pièce. Voici. Je la laisse brancher, puisqu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas se débrancher. Ben c'est pas grave, il y a un peu de mou, tu viendras ici. Comme c'est beau, regardez-moi ça. Ce qui fait que si on enlève ça, on n'a plus du tout le MAF qui fonctionne. Et ça mériterait quand même un petit nettoyage graissage des familles.
C'est sale. C'est très sale. Alors, là-bas, on y voit beaucoup plus clair. Du coup, je vais peut-être même pas avoir besoin de ma pièce spécifique puisque c'est très très accessible tout ça. En même temps, j'ai envie de l'essayer quand même. Ouais, vas-y, je vais l'essayer. Oh, c'est quoi ce revêtement? C'est pas possible. C'est un truc des enfers. Venez m'aider, vous. Voilà. Voilà, comme ça qu'on fait. Il est où le cylindre 2 là? Bon, on sait pas. Allez, on va pas se prendre la tête. Ça va aller direct dans la caisse à outils. Ah, c'est joli ça, regardez. J'aime beaucoup. Alors attends, comment ça marche du coup? Donc, c'est là qu'on va venir voir quelle empreinte fonctionne. C'est donc a priori cette empreinte-là. Bonjour. Ah non, c'est celle-là. Celle-là, elle flottait un petit peu. Voilà. Ça. Ok, donc apparemment. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Genre, on peut pas mettre ça directement là-dedans. Si. J'ai jamais fait ça, donc on découvre ensemble, les gars. Soyez indulgents. Voilà. Easy peasy. Qui a dit que c'était compliqué la mécanique? Pas ce gars-là. Ok, donc ça passe là, ça passe là, ça passe là. Ça passe là au-dessus là. Il me semble qu'on est bon partout. Hein. Sauf que, évidemment, faut que je passe. Alors, attends, c'est chiant ça. Ah, et c'est là que je comprends le renvoi du coup. Ok. Reste là 2 secondes. J'ai tout compris. J'ai tout compris comment ça marche. Bonjour. Attends, j'arrive pas assez loin. Je suis presque au bout. Comment je vais faire? Me dis pas que ma courroie est trop courte. Bon, bah les copains, ça marche pas.
Ah si, oh là là. C'était coincé dans un truc en dessous. Ouf. Yes. Yes. Donc là, logiquement, j'ai retrouvé ma direction assistée, j'ai retrouvé mon refroidissement par eau, j'ai retrouvé à peu près tout. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. Hein. C'est génial. Faut bien être sûr qu'on est bien partout au bon endroit. Ouais, on est un peu au bord là. On est peut-être un peu trop au bord. Oh oui, on est trop au bord. Ok. Reviens par là, outil magique. Faut juste repousser ça un tout petit peu. Voilà. Pas beaucoup, un tout petit peu plus au milieu. Voilà, c'est bon. Hey, ça se trouve ça marche maintenant. Il n'y a plus qu'à tout remonter, on va tester. Bon, et ben tout est en place. On a tout remonté comme il faut, tout remis partout, et on va démarrer la voiture pour la première fois depuis un petit moment. Donc sachant que pourquoi on a fait ça, c'est parce que l'ancien alternateur s'est bloqué sur le circuit pendant un tour avec un pilote au volant. Et du coup, plus de direction assistée, plus rien, il a fait un tête à queue, il est sorti. Il a ramené au bercail, mais elle a légèrement surchauffé, puisqu'évidemment la pompe à eau n'était plus entraînée. Donc on veut vérifier aussi qu'elle n'a pas pris un joint de culasse, mais a priori non, parce qu'on voit sur le côté de la voiture, je vais vous montrer, sur le côté du radiateur, là, il y a un petit niveau, c'est vachement bien foutu, je ne connaissais pas du tout, c'est des espèces de petits autocollants que tu colles et ça te dit la température maximum à laquelle est montée ton eau de radiateur. Donc là on voit que le max où c'est monté c'est à peu près 100 degrés, donc c'est chaud mais c'est pas non plus un truc qui va déclencher un joint de culasse logiquement. Vous êtes prêts pour tous les enfers? Ça a l'air de tourner rond tout ça. Ça a l'air de tourner très rond même. La courroie. Alors on voit le tendeur de courroie qui fonctionne, c'est ouf. On voit qu'il bouge légèrement. Tout va bien. Faire un tour, vérifier que tout ça marche bien. Alors elle, c'est un peu comme les autres, c'est assez chiant parce que l'embrayage est très très dur. Thank you.
bien le ventilateur qui tournait, là, on vient de l'entendre. Globalement, ça a l'air d'aller à peu près tout ça. Bon. Bon bah voilà, ça n'a pas changé le niveau, toujours effectivement maxi, on a tapé du 210. Donc ça tourne un peu chaud, mais dès qu'on roule, ça refroidit tout de suite. Donc il n'y a rien de bien folichon, c'est pas alarmant. Voilà, bon bah moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures mécaniques et présentations de voitures. À bientôt, salut.